Salut à tous, alors aujourd'hui on va à un meeting qui s'appelle le Modified à Luxembourg. Alors c'est un rendez-vous qui est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Là j'avoue que je sors un petit peu de ma zone de confort parce que c'est quelque chose qui va être plutôt sur du tuning, sur du custom. Donc moi c'est un des organisateurs qui m'a invité, il m'a dit qu'il allait avoir vraiment de belles choses et que ça allait être intéressant. Pour faire une vidéo, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai qu'aujourd'hui il y avait rien de spécial de prévu, donc je me suis dit allez on y va, on va voir ce que ça donne. Et puis normalement on devrait quand même pouvoir faire de belles images. Ça reste un meeting au Luxembourg, donc normalement il y a des belles autos. Et puis c'est vrai que on peut être amené à se demander un peu à quoi peut ressembler un meeting tuning à Luxembourgville. Donc bah écoutez, je vous invite à aller avec moi découvrir à quoi ça peut ressembler. Allez on y va. J'ai quand même mis la Porsche qui est entièrement d'origine, il n'y a pas la moindre pièce modifiée, c'est même la ligne d'origine, mais elle se retrouve quand même sur le parking exposant, donc elle dénote un peu avec toutes les autres. D'ailleurs elle paraît ultra haute du coup, étant donné que c'est une suspension d'origine, elle est vraiment super haute. En plus j'ai toujours pas lavé depuis que je suis revenu d'Alsace, donc si vous voulez elle est super super crade, alors que toutes les bagnoles ici elles ont été briquées mais à fond. Je veux dire, on peut se voir dans n'importe quel capot. Là, le capot de la Mustang, on se voit dedans. C'est assez hallucinant. On se demande un peu ce que je fous là, je crois. Là, il y a Nissan Stagea. Les Stagea, c'est les breaks que les Japonais utilisent pour venir mettre un avant de Skyline R34 à la base. Enfin, à la place. Celle-ci, elle a l'avant d'origine. Mais par contre, elle a une peinture assez intéressante. Pas mal, pas mal.
Bon alors effectivement, c'est assez différent de ce à quoi j'ai l'habitude d'aller. Il y a pas mal de bagnoles, il y a des trucs assez sympas, hein. Il y a une R33 là-bas, il y a énormément de GT86 et Subaru BRZ, il y a pas mal de Scirocco, enfin en gros tout ce qui se modifie on a. Là on est devant une Golf. Il y a des jantes, je pense que la jante doit coûter le prix de ma 308. Il y en a 4 hein, forcément. Donc c'est assez fou. Les mecs modifient leur bagnole, mais en gros il n'y a plus rien d'origine dessus. C'est assez impressionnant. À quel moment c'est autorisé de rouler avec des jantes comme ça? À mon avis, c'est moyen légal, quoi. Je ne pense pas. Franchement, tu prends une 135i, tu mets les jantes de la 1M, t'as un truc vraiment super joli quoi. Après t'as pas l'exclusivité, mais la différence de prix, surtout que c'est à peu près le même moteur, ça peut être quand même pas mal. En général, les voitures de flics en France, ça va être 308, ça va être Mégane, éventuellement des Focus. Bon, quelques Mégane RS pour la gendarmerie. Mais alors, Luxembourg, c'est différent. Hein. Ils roulent en Golf GTI. Et ça doit pas être si mal d'être flic ici. Bah allez, pour nous, c'est la fin. On va y aller parce que juste après, on a les 70 ans de Ferrari. Donc, il y a le club Ferrari qui fait une petite rencontre. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo qui sera dans les propositions juste après ça. Allez, bye bye.